Bonjour à tous, aujourd'hui on fait un nouveau test. On va tester. On va tester comment il appelle un hydratateur aux huiles naturelles. Au beurre de karité et huile de jojoba bio. Comment ils appellent ça au fait? Comment ils appellent ça? Soin de lèvres, voilà. C'est un soin des lèvres. Il fait froid. D'avoir des lèvres gercées. Moi, je vous conseille le soin des lèvres. Le soin, la Labello Original prend soin de vos lèvres en les gardant lisses, souples toute la journée et les protège du dessèchement. Voilà. Sa texture onctueuse et sa formule enrichie aux huiles naturelles et beurre de karité font instantanément sur vos lèvres, font quoi? Font instantanément sur vos lèvres et les laissent s'hydrater pendant 24 heures. Pour les lèvres naturellement belles et douces toute la journée. Testé cliniquement sur 30 personnes. Bah alors c'est sûr que ça marche. Testé sous contrôle dermatologique. Bah après c'est pas, c'est une autre langue. Penser au tri, ouais, super. Le plastique d'un côté, oui. Le papier de l'autre. Oui, d'accord, c'est pour le recyclage, il faut découper pour le recyclage. Donc ingrédients, on va pas se le faire, hein, parce qu'on comprend rien du tout de ce qui est marqué. Fabriqué à Hambourg. Comment ça se présente? Alors, je vais vous l'ouvrir. Oui, vous l'ouvrez comme ça. Et vous faites sortir. Comment ça se présente? C'est ben, c'est comme du rouge à lèvres. Hein. C'est comme en tube rouge à lèvres. Qu'est-ce qui est marqué? Ouais, 4,8 grammes. Bon, ça ne va rien vous dire. Hein. On retire comme ça. Et on a le bout en tirant, en tournant, oui, on tourne et ça sort. C'est comme du rouge à lèvres, quoi. Et on applique ça, le bout, sur la lèvre. Et ça permet d'avoir les lèvres qui ne vont pas sécher, se durcir et avoir des gerçures. Je vais essayer le goût. On va tester, hein, je vais tester. C'est vrai que ça a un goût de beurre. C'est un peu huile. C'est pas huileux, ouais, c'est un peu huileux. C'est pas pâteux. Ouais, il y a un petit goût de huile. Ouais, ça y a un petit peu de beurre. Ça sent du beurre. On a presque envie de manger, quoi. Tout cas, le goût n'est pas mauvais. Mais. Voilà. Et on referme, on tourne pour refermer. Pour pas que ça se dissèche, on entend le clic. Quatre heures dans le... Ouais, c'est un goût huileux. C'est pas désagréable. Bon, par contre, on a, ouais, on a la bouche un peu huileuse. Mais je vous le conseille, ça permet d'avoir les lèvres qui ne vont pas gercer, hein, surtout quand l'hiver va arriver. Voilà. Si vous aimez mon idée de produit, likez la vidéo, mettez un pouce, mettez les notifications et abonnez-vous à ma chaîne pour que je vous donne d'autres idées de produits. Je vous mets en lien dans la description, le lien pour acheter ce produit et vous en faire une idée un peu plus. Avec plus de description. Sur ce, je vous dis à la prochaine.